Hey, salut à toutes et à tous, et nous voici partis dans la suite de notre aventure sur Tomb Raider. Et aujourd'hui, nous allons enfin découvrir ensemble les Oni, ces villes créatures qu'on avait déjà pu apercevoir, je crois que c'était au temple, et qui foutaient un peu les jetons. Je vous dis juste un petit peu. Et je tiens à préciser que si dans cet épisode vous avez l'impression que je suis un peu mou, c'est normal, je suis un petit peu malade, on va dire. Donc j'essaierai de faire de mon mieux, je voulais quand même vous faire un épisode de Tomb Raider, surtout que déjà un par semaine, c'est pas le top. Donc, vous me pardonnerez ce petit défaut. Alors là déjà, les cadavres, on peut pas les brûler. Bon, ils sont pas dans les sacs, donc ça se comprend encore. Waouh. Par contre, ils sont dans un piteux état. Ouh. Là, ça m'intéresse ça. Oupa. Ok, je peux rien faire. Il va falloir que j'essaye de passer de l'autre côté, tout en essayant de... Mais attendez, je peux pas? Et là-bas, il y a des matériaux. Quoique, c'est possible de passer? Attendez, je regarde vite fait. Ah, une porte. J'avais pas remarqué cette porte. Je sais, aujourd'hui aussi, je vais pas trop m'embêter. Si j'ai besoin d'utiliser le mode instinct, mon cerveau, j'ai pas envie qu'il pète trop un câble. Donc, ouh, cette porte, elle s'ouvre. Non, mais, je me gourde de boutons. Aujourd'hui, mon cerveau est en fumée. Alors, si vous avez pas envie que je reste coincé et que je fasse des bêtises pendant des heures et des heures, vous ferez avec autre. Ah, le passage secret que personne n'aurait jamais vu. Tout ça pour de l'XP. Génial. Franchement, génial. Je peux ouvrir? Ah non, faut remonter par... Ok, faut repasser par là. Bah dis donc, tout ça pour 20 XP, hein. Limite, on a une énigme aussi compliquée que quand vous êtes dans les tombeaux secrets pour de l'XP. Et seulement 20. Pour ça, on va actionner le bouton. Oh. Oula. J'ai peur. J'ai peur. Le tombeau doit se trouver dans les niveaux inférieurs. Pourquoi j'ai peur? Parce que tu as peur, Vlagmer. Ouh, il y a un bouton. J'appuie sur le bouton, ça fait quoi? Ah, ok, c'est l'ascenseur. Waouh. Bah dis donc. Oh, et l'ascenseur est coincé. Il est bloqué. Ah bah mince alors. Comment allons-nous pouvoir faire? Je n'en ai strictement aucune idée. Déjà, est-ce que je peux passer là? C'est là que je dois aller. Oh bah merci. Ah bah, sans ton aide, j'aurais jamais pu deviner. Oh. Et je pouf, on saute dessus. Attendez, on saute. Non. Non, 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 non. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on aurait par ici? Je pense qu'il faudrait casser l'engrenage, il n'y aurait pas un petit truc du genre. Attendez, attention, mode instinct. Ouais, c'est bien ce que je pensais, faut casser le truc. Après, un petit fusil à pompe, un petit truc du genre. C'est quoi ça? Y'a moyen qu'on brûle non plus? Ok, peut-être un coup de fusil à pompe en soi. Boum! Boum! Non plus. Un coup de lance-grenade? Aïe 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 aïe! What? Si je fais les bêtises, ça va être bien, moi je dis. Ça, on a. Attendez, faut que je réfléchisse 2 secondes. Pourtant, les autres, ils ont l'air bien fonctionner. Pourquoi ça bloque en fait? C'est l'engrenage. Je comprends pas. Pourquoi lui bloque? J'ai l'impression que c'est juste parce qu'on n'a pas la... Vous voyez les rails? Elles y sont pas. Eh bah c'est gentil, mais comment on est censé mettre ces rails? Allez saute! Non plus. Ah, j'ai trouvé. Comme ça. Non, c'est pas du tout bête. Oh, Lara peut vraiment tout tirer avec son piolet. Waouh, ah ouais, elle a carrément pété le truc. Lara fait pas... Waouh. Ok, je suis sur la bonne voie. Lara fait pas en douceur. Waouh, plus de force Lara. Alors. Ah, ah, j'ai vu, il y a un trou. Qui dit trou dit chose intéressante. Qu'est-ce qu'on aurait de caché par ici? Ah déjà je pense qu'on peut. Voilà, qu'on peut ouvrir par derrière. Bien entendu, on pouvait. Y a pas de poignée devant, c'est logique, hein. Au cas où qu'il y a un incendie, les normes de sécurité sont très à jour. Oui, oui, oui. C'est bien. En fait, je pense que. C'est ce que je vais faire. Je vais regarder l'état des bâtiments et si c'est bon ou non pour. Pour les humains. J'ai l'impression que non. Ça a fait ses tests. Ouais, non, non, non. Ouh. Je vous laisse profiter. Commandement à agent de terrain. Stop. Trinity mécontent de l'absence de progrès. Stop. Acquisition du phénomène étoile impérative. Stop. Envoi d'un nouvel agent pour assurer succès de la mission. Stop. Stop. Vous avez tout compris? Et moi, j'ai vu surtout un nouveau succès. Ouais.
Ça, je pense, c'est qu'on doit avoir au moins 75% des histoires, etc. Cette fois-ci, j'essaierai de penser à mettre au montage. Parce que là, le montage aussi, ça va pas être facile pour moi. Allez, voilà. Toi, boum. Parce que pour ceux qui aimeraient savoir, je tourne l'épisode la veille, en sachant que j'en ai pour 10 heures d'upload, donc l'épisode a le temps d'upload pendant toute la nuit. Saut d'abord. Voilà. Ah, ok, donc on passerait... Si on balance un truc assez lourd, peut-être que... Encore suffira. Et le monde charge tombera. Ok. Ça fait quoi, ça? Ça fait quoi? Ah, ça monte. D'accord. Ah, et on doit jouer avec ça. Oh, vous êtes sérieux? Oh, non. Pour réfléchir. Bon. Et réfléchissons. Déjà, j'ai réussi à faire monter le truc. Si j'ai bien compris, faut les faire tous péter. Wouh. Pas de bêtises. Non, lâche, tombe. Voilà, boum. Moi, je veux les matériaux. Pas grave si tu te casses deux jambes. Je veux les matériaux. Ouh, c'est quoi ça? On dirait une échelle. Ah, tu croyais que j'allais pas te voir, petite échelle? Mais si. Ah, ok, donc à chaque fois, faut trouver l'endroit exact pour aller prendre le... En fait, pour faire tout péter, quoi. Ça en fait déjà deux. Non, faudrait aller de l'autre côté. Attendez, oui. Ouais, lâche, merci. Attendez, on va le refaire monter par ici. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à chaque étage, il y a moyen d'en faire péter un. Non ? Peut-être. Parce que, oui, non, mais ça doit être un truc du genre. À chaque étage, vous devez résoudre une petite énigme. Là. Ou là. Là. On va redescendre d'un étage et je pense qu'on devrait avoir accès à l'un d'eux, si je me trompe pas. Ah, voilà, c'est bien ce que je pensais. En plus, il y a des matériaux. Allez, tiens-moi ça, Lara. Après, il n'en restera qu'un seul et on va le faire exploser. Ok. Maintenant, j'ai juste envie de savoir. Là, le machin, faut voir à quel étage on pourra l'exploser. Alors, on va faire un petit tour, juste histoire de voir lequel. Je pense que ce serait tout en bas, non? Quoique non. Non. Attendez, il est où le machin? Pas par ici. Mais là, on peut pas passer, donc c'est vite réglé le problème. À part aller en hauteur, je pense pas qu'on ira vraiment haut. Lui, voilà, c'est lui qu'il nous faut. Et c'est pas vers le bas, donc ce serait plus vers le haut. Donc on va essayer de le faire monter d'un étage. Et peut-être qu'on devrait réussir à trouver une solution, histoire de faire en sorte de péter. Histoire que ça tombe tout, que ça casse tout. On va faire bobo. Ça va faire bobo. Voilà, toi, c'est lui, c'est lequel? Oui, je m'en souviens jamais. Ok, c'est celui-là de là-bas. Il n'y a pas un truc, juste un étage après. Non plus. Alors peut-être... Oh, allez, Ra, monte. Alors est-ce qu'on pourrait encore faire un petit tour? Ou c'est trop demandé? Ah non, là-bas. Oui, d'accord, je viens de voir. En plus, il y a les matériaux, ça nous indique bien que c'est là-bas. Ah ouais, mais c'est fourbe. Et comment je fais pour aller là? Comment je suis censé faire? Alors là, c'est la bonne question. Non, c'est vrai. Je vois bien qu'il y a un truc par ici, mais attendez. Voyons voir. Ah! Vous avez vu ce qu'il y a là? Vous avez vu? Tout comme moi. Ok, donc là, il y a une paroi rocheuse normalement qui nous permet de nous accrocher avec les flèches. C'est plutôt pas mal comme indice, mais... Ah, comment on fait? Ah! Peut-être qu'en fait on peut contourner tout simplement, non? Attendez, là, par ici. Ah ouais, là on peut péter le truc, j'ai l'impression déjà. Ok. On va redescendre d'un étage, j'ai l'impression. Allez, Lara. Ouais, là. Je dois trouver un moyen de dégager le passage. Bah oui, bah merci, mais boum! Il n'y a pas moyen que tu sautes comme un lièvre ou un truc du genre, sauter assez haut. J'ai l'impression qu'il faut y faire redescendre d'un étage. Oh, salut toi. Toi t'es beau, hein. N'empêche, à côté d'un ascenseur, vous voyez ce que vous pouvez trouver. Les pauvres. Je sais pas ce qu'ils leur ont fait subir comme torture, mais je préfère pas savoir. Ah, non mais... Peut-être que je reste sur le monte-charge. Peut-être, parce que j'en sais pas grand-chose. Là, il y avait... Mais ça, on l'avait déjà utilisé, non? Ah, je suis perdu! Regardez-moi, c'est ça qui m'intéresse. Voilà.
Oui, non, oui, vas-y, tire un mur. Oui, bien sûr. Lara tire un mur. Elle a toutes ses chances. Allez, on va remonter par ici. Est-ce qu'on est vraiment enfermé dans une sorte de petite cage? Oui, on est enfermé vraiment dans une sorte de petite cage. J'ai confirmation. Alors, comment il y a moyen? À l'aide! Please, help me! Save me! Oui, mais moi je veux, c'est aller là-bas. Là-bas. Ah, peut-être que. Ok. Donc, je sais pas si c'est ça qu'il faut faire. En tout cas, si c'est ça, c'est vraiment fourbe! Lâche! Attention! Bah oui, c'est une question de timing, j'avais pas compris. Ah bah d'accord. Vous m'étonnez que j'avais pas trouvé la solution directe. Allez là. Oui. Tu t'accroches, c'est bien. Normalement, on devrait réussir à enlever le dernier. Voilà. Matériaux. Et... Oh oui, on a toutes les pièces pour le fusil à pompe. Génial. Et là, on fait tout péter. Chpouf. Pouch. Ah, ça, ça fait du bien. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Ça nous fait de l'XP. Oups, peut-être un petit peu trop. Non, ok. Les développeurs avaient prévu qu'on puisse sauter de 10 mètres, pourquoi pas. Même si on est d'accord, hein, ça fait pas 10 mètres. Et parfois on meurt pour moins que ça, alors. Hein. Allez, j'ai pas cherché à comprendre la logique. Donc là maintenant, le but c'est d'aller tout en bas. Waouh, on n'a pas encore croisé Donnie, hein. Ah, j'aime bien, j'aime bien. J'ai pas trop peur pour l'instant. Waouh. Salut. Pourquoi j'ai pas envie d'ouvrir? Ah, de toute manière, je peux pas. Je déteste cet endroit. J'en sais rien. Tu vas nous le dire bientôt peut-être. Oh, le matériau. Ça, avant de te tuer, je vais quand même faire un petit peu de shopping. Je vais prendre le matériau, je prends tout ce qui traîne. Et seulement après, je te dégommerai. Oh. Adieu. Pouh. Oh. Oh. Tire à la tête en toute discrétion. Discrétion assurée. Oh, je vous laisse profiter. S'agit-il de cadeaux offerts aux anciens souverains du Yamatai? À moins qu'il y ait eu une bataille ici. Dis donc, ils sont vachement jolis leurs casques, hein. Avec la petite étoile sur la tête, parce que sinon c'est pas fashion. C'était la mode de l'époque, vous mettiez les petites étoiles sur votre casque et ça faisait tout de suite cool. Oh, oh, des têtes de mort. Ah, ça me rassure si vous saviez à quel point. Y a un truc là? Non, y a rien. Toi, t'as les matériaux? Oh bah en plus, je suis déjà plein de munitions. Alors j'ai le choix d'aller là, ou j'ai le choix d'aller là. Sauf que là, j'ai l'impression que c'est cul-de-sac. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a de quoi se faire plaisir. Voilà, c'est ça. Un petit casier, parce que oui, bien entendu, dans les casiers, il y a plein de matériaux. Ils rangent même pas d'habits, non, non, non. Quoique. Ouais, non, il y a même pas d'habits, une petite bouteille de bière au cas où. Un masque, ah non, des canettes. Ah bah oui, parce que chez eux aussi, ils prennent plein de soda à toutes les sauces. Je sais pas d'où ils se font emporter parce que le bateau, il peut pas vraiment retourner en arrière, mais c'est pas logique. Oh, les stalactites. Ah, c'est sympa. J'aime bien, c'est joli. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Oh, waouh, c'est beau. Ok. Waouh. C'est ici. C'est quoi ça? Waouh. Alors, vous voyez cette... énorme, enfin pour moi ça fait comme une arène. Et qui dit arène dit ça dit boss, je veux pas de boss, pitié. C'était gentil. Allez, vous êtes prêts? S'il y a rien qui se déclenche, ça me semblerait un petit peu bizarre. Ils étaient dans le tombeau de la reine. Ils la protégeaient. Et ça, c'est toi. Tu étais une sorte de général. Tu t'es fait seppuku. Pourquoi? Pente.
j'ai déshonoré ma reine. Le rituel a été corrompu. La prêtresse savait que seule la mort la sauverait et a donné sa vie. L'âme de la première et dernière reine est désormais prisonnière d'un corps sans vie. Sa rage provoque les tempêtes et ne s'arrêtera que lorsque son âme quittera cette terre. Mes gardes-tempêtes ont juré de la protéger. Ils devront continuer. Sans moi. Son âme reste prisonnière d'un corps sans vie. Voilà d'où viennent les tempêtes. Pour arrêter ça, il faut détruire le corps dans la chambre des rituels. Il faut que j'arrive à convaincre les autres. Voilà. Oula. Oula. Ah ah. Donc, nous avons enfin compris d'où venait le problème. C'est le corps de la reine Himiko qui est toujours prisonnière de son corps sans vie. C'était assez mignon, en plus il y a eu des décalages de texte, c'était génial. Oui, la musique elle peut arrêter de s'exciter pour un rien. Je sais qu'ils sont à fond sur les violoncelles, tout ce genre de trucs, mais... Ah... Parce que... Waouh ! Wow, wow, wow. Ah, carrément! Oh non! Attendez, je veux voir, faut aller où? Ah, ok, d'accord. What the? Wouh! Voilà! Ah, j'aime bien! Où toi? Il y en a encore! Oh, wow, 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 wow! Attendez, là, on va y aller, lance-grenade. Lance-grenade! Boum! Ah, dis donc, vous êtes chiant, toi! Bim! Quoi, quoi, quoi? Y en a qui... Ah, il y en a qui passent par le dessous en plus! Pa pa pa! Papa, papa, papa! Ouah! Adieu! Bim! Oui, coucou toi! Coucou, coucou, coucou! Coucou, coucou, coucou! On a d'autres qui veulent faire coucou, coucou, coucou avec Lara. Quoi? Ah oui! Ah! Wow, 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 wow! C'est quoi ce machin? Jean? Coucou! Papa, papa, papa! Attendez! Boum! Boum! Voilà! Ah, vous faites chier, hein! Ah, vous faites moins les malins, là! Tiens, cadeau, toi! Bah oui, parce qu'une petite grenade par-ci, par-là, ça fait jamais de mal. Oh, je suis mort! Je sais, je fais pas le Y, mais bon, il y a tellement d'ennemis que je préfère me concentrer et déjà ne pas mourir. 999 matériaux, dis donc! Ça, c'est que c'est magnifique! Faut continuer, c'est ça? Ah, de la dynamite, tiens! Toi, copain, copain! Copain dans la tête. Copain, boum, dans la tête. Tire one shot. Ah, ça c'est joli. Bon, merci petit bonhomme qui est aussi sans vie. Nous aurons ainsi compris grâce à toi comment partir d'ici. D'un côté vous me direz c'était pas très difficile à deviner. Mais ça donne du fil à retordre. C'est à dire qu'on va devoir tout remonter. Parce que, what the, saute moi ça. Parce que au début. Non mais sérieux, j'ai failli X, bon sang! J'ai dû sauter trop tôt, c'est pour ça. Elle pouvait pas s'accrocher correctement. Bon, c'est pas grave. De souvenir, quand on était au départ, on n'avait pas justement vu dans le tombeau la reine, enfin le corps de la reine. Ça voudrait dire qu'en gros, on doit retourner où on était, alors qu'on aurait pu le faire depuis le début. Alors là, en plus, si elle ralentit histoire de faire genre, vous avez pas compris? Eh ben, heureusement, maintenant vous êtes sauvés. Et moi, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? J'ai réussi à prévoir le truc et à quand même mourir comme un con, hein. Ah ouais. Désolé de la vulgarité, mais alors là, je vois pas quoi dire d'autre. Ouh, du feu. Ah. Attention. Là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir retourner à l'air libre, ça va pas nous faire de mal. Parce que rester un épisode coincé dans les catacombes du monsieur général qui protégeait sa reine avec les gardes de tempête. Waouh. Dis donc, c'est que t'es lent, toi. Tu veux pas aller plus vite? Non. Ah, en plus, elle recharge. Ah oui, pardon. Attendez, y'a pas moyen de changer d'arme, non? Comme d'hab. Lara, tu es où, bon sang? Qu'est-ce qui se passe? On est attaqué! On a besoin d'aide! Oh non, bon sang, non! Il faut absolument que j'y retourne. Ok, donc là, ça a l'air de commencer à se compliquer. En plus, les ennemis, je pense qu'ils ont enfin décidé de passer à l'attaque depuis le temps. Y'a rien d'autre. Je fais juste gaffe qu'il n'y ait pas des ennemis. Prends-moi l'arc, s'il te plaît. Merci.
Par contre, aujourd'hui, quand même, Lara ne faille pas trop, mis à part le petit coup d'avant. C'est en haut. Attention. Ouh ! Ouch ! Boum ! Oh ! Oh, l'esquive ! Tiens ! Ah, ça fait du bien, ça, hein ! Ah, l'arc, c'est vrai que c'est... Ils sont sur le ponton ! Wow, 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 là, ça a vraiment l'air très compliqué. Mais tirez ! On va essayer de se dépêcher, d'aller vite les rejoindre, parce que là, je pense qu'ils ont vraiment besoin d'aide. Bon, tes corps, ils sont où ? Tu vas pas me dire qu'ils sont tous tombés ? Wow, 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 ouais, violence, là ! Quoi, cette violence ? T'inquiète pas, j'arrive. Je me dépêche juste. Enfin, j'essaie surtout de retourner vers vous en vie. Voilà ! Attention, les amis ! Là, ça va être l'action ! Action, réaction ! If ! Reyes, tu es blessé. J'ai vraiment cru que c'était la fin. J'ai vu personne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Whitman. Il a emmené Sam pendant l'attaque. Oh, il va sûrement la ramener à Mathias. C'est notre faute. Oh, merde. Enfin, c'est ma faute. Alors on fait quoi? On peut prendre le bateau et chercher de l'aide. Eux aussi, ils y ont cru. Tu avais raison pour Whitman, mais... Mais tu as vu les tempêtes. Elles ciblent les bateaux qui s'approchent. Des scientifiques qui étaient là pendant la Seconde Guerre pensaient que les tempêtes étaient contrôlées depuis la chambre des rituels qui est près du monastère. Je n'ai pas toutes les réponses, mais l'enlèvement de Sam est lié à tout ça. Et si on essaye de partir sans comprendre pourquoi, on mourra tous. Comme les pilotes. Et comme Ross. Bon. Je sais pas ce qui se passe, mais... Elle a peut-être raison. On ne peut pas retourner à la forteresse, c'est du suicide. Ce n'est pas là qu'ils vont. Ils vont l'emmener à la chambre des rituels. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir se rapprocher. Écoute, je sais bien que tu veux retrouver ta fille. Je comprends, tu sais, mais le combat n'est pas fini. Je ne te demande pas de me croire, Reyes. Je veux que tu me fasses confiance. Ok. On va mettre ça à l'eau. Ok, Lara. Dès que tu seras prête, monte sur le bateau. Ok. Donc, comme on pensait, Whitman, c'est qu'un gros traître qui allait ramener Sam vers... Comment il s'appelle déjà? Ah, bien, j'ai... Ah oui, vers Mathias. Je suis pas si bête que ça, j'ai quand même une petite mémoire. Mais avant ça, on va se préparer. Fusil à pompe de combat, échange d'armes. Ok, bon, on a l'amélioration. Et voilà, donc, je crois qu'on a à peu près toutes les armes maintenant... au max, non. Enfin on peut booster toutes les armes au max, 7 sur 10, 7 sur 9, là c'était déjà 100%, 8 sur 10, d'accord, donc oui c'est bien ça, on peut maintenant booster toutes les armes au max, et si vous vous souvenez, dernier épisode, ah, les flèches explosives et les flèches perforantes, ça franchement, je pense que tous les ennemis qu'on va rencontrer, il y aura de l'armure, alors autant les utiliser, ça nous fera pas de mal, par contre avec 407 de matériaux, je risque pas de faire grand chose en plus, on va quand même voir, mais... Boîtier de culasse modifié. La mécanique personnalisée augmente la performance et les dégâts produits. Oui, pourquoi pas. Et ça, c'est quoi? Chargeur à tambour améliore la vitesse. Ok, bon, on va augmenter les dégâts. Parce qu'à tous les coups, je vais aussi pas mal me servir du fusil à pompe. Et donc, je pense que nous sommes prêts. Nous allons directement commencer l'ascension vers la chambre des rituels. Et on sent petit à petit... Là, je peux enfin le dire, mais on sent quand même que le jeu approche petit à petit de sa fin. Et c'est pas le dire parce que on a quand même la solution. Donc qui dit solution dit résoudre les problèmes. Lara, qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans? Tu tiens vraiment à le savoir? Non, mais dis-le quand même. Eh bien, l'âme de la reine solaire est restée prisonnière d'un corps sans vie. C'est sa colère qui est à l'origine des tempêtes. Si nous détruisons ce corps, les tempêtes cesseront. D'accord. Et pourquoi Mathias veut ça? J'en sais rien. Et c'est ce qui m'inquiète le plus. Écoute, je sais que ce plan doit paraître insensé. Ça, c'est sûr. Mais je crois qu'on n'est plus à ça près. Alors on y va.
Ok. On y va. Non. Reyes et toi, vous surveillez l'entrée principale pendant que je recherche Sam. Tu comptes y aller seul ? Plus on sera nombreux, plus on aura de chances d'être repérés. En restant ici, vous allez pouvoir éliminer un maximum de ces salauds. Et je ne parle pas seulement des Solari. Il y aura autre chose. Des samouraïs, les gardes tempêtes. Bref, si ce n'est ni Sam, ni moi qui approche, vous tirez. Ma petite Kai, on se reverra. Ça, je te le promets. Tu peux compter sur nous, Lara. Choses sérieuses commencent. Une cloche. Discrétion, boum. Discrétion, bonjour. Il ne faut pas se faire repérer. Mais que fais-tu? Bah, je sonne la cloche. Tu crois quoi? Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qui se passe? Les nuages, j'ai l'impression qu'ils sont accélération x10. Y'a pas une petite entrée, un petit truc du genre? Ah, si, ok, je regardais pas au bon endroit. Donc, on va quand même essayer d'avancer pas mal. Allez, Lara, on te fait confiance. Tout repose sur tes épaules. Tu dois sauver Sam. Waouh. Bon, ça a quand même l'air assez lugubre par ici. Je sais pas ce qui nous y attend, mais aïe aïe aïe. Sam, elle est vivante. Tout comme notre amie. Qu'est-ce que vous faites, Docteur Whitman? Qui sont ces... Ils n'attendent plus que d'être présentés à leur nouvelle reine, par celui-là même qui a su nous la ramener. Ah ! Bien sûr, bien sûr. Ces tribus archaïques n'ont pas de secret pour moi. La reconnaissance, James. Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis le docteur James Whitman. Je viens à vous en paix. Je vous amène votre nouvelle reine. Oh non. Votre reine. Votre... Yo-ho. Dire à part que le docteur Whitman a juste eu le sort qu'il méritait, mais vraiment jusqu'à la fin il croyait que c'était en fait limite du monté et qu'il allait se faire un paquet de fric et de reconnaissance juste parce que monsieur, enfin même pas chercher à comprendre, tant mieux qu'il est crevé, comme ça nous fera un boulet de moins. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi le docteur Whitman c'est un personnage ou non vous appréciez. Je trouve que c'est censé être le plus cultivé etc, mais au final ça se retrouve être le plus bête. C'est assez drôle, c'est pour vous dire que, enfin, au final, l'intelligence, c'est bien d'être cultivé, d'avoir une certaine culture générale et ainsi de suite, mais si derrière, enfin, vous voulez pas l'utiliser de manière correcte, ou en tout cas, en faire bon escient, ça ne sert à rien. Enfin, si, ça sert, après, pour votre plaisir personnel, bien entendu. Waouh. Donc, les gardes tempête, c'était pas mal. Ils protègent toujours leur reine après tout. Quelque chose me dit qu'on va devoir faire attention. Oh le machin, ça m'a fait peur. Waouh. Je sens que mes nouvelles flèches vont m'être très utiles. Voilà. Mes créants, boum. J'ai les flèches qui perforent tout. Boum. Faible que tu es. J'ai mes flèches qui peuvent transpercer. What? Ils sont passés où tes copains? Wow! Ils sont où tes copains? C'est même pas drôle! Oh, c'est même pas drôle! Moi je voulais m'amuser! Ici? Non? Faut aller où là? Oh! C'est où que je vais aller? Oh, attendez! Ça a l'air d'être. Boum! Non, on peut pas y péter par hasard? Wow! Discrétion assurée aussi? Peut-être ça? Non plus? Attendez, on va regarder. Bah si! Il y a bien un truc à faire avec ces barils! Peut-être foutre le feu, tout simplement. Ouais, pourquoi pas. C'est une option. Ça brûle? Ouais, c'est ça, ça brûle.
Je me disais bien qu'il y avait un truc, parce que si on n'a pas le droit d'accéder par les portes, c'est bien qu'on doit pouvoir accéder autre part. Et en plus, j'ai envie encore de tuer du garde-tempête. Allez, les gardes-tempêtes, venez! Lara a des flèches perforantes. Et sincèrement, je pense que ça fait toute la différence. Enfin, on n'a pas testé 100, mais... Waouh. Waouh, waouh, waouh. T'es sérieux? Mais en fait, ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils sont encore en vie? Ou est-ce que c'est juste des statues ou... Enfin, des morts vivants? C'est ça que je me demande. Non mais regardez-moi ça. Il s'arrête pas, hein? Oh, oh, ce truc de fou. Waouh. Ok, on va essayer quand même de rester discret parce qu'alors là, ça fait un petit peu peur. Oh. Dis donc, aujourd'hui, il y en a un qui a pris son petit déj mais qui l'a mal digéré, hein. On va y aller doucement, Lara, doucement. C'est quoi ce bruit? Waouh. Ok, pourquoi pas. On va dire que je préfère pas trop t'énerver, toi. Vu comme t'es là et t'es gros. Ah. Ah non, ça c'est moins marrant. Ah non, non, non. Tu n'as pas intérêt de te foirer, Lara, sinon... Comment dire? T'es mort? Ouais. Waouh, waouh. C'est quoi ce gros machin, là? Parce qu'en fait, celui-là qu'on a tué avant, c'était plutôt un samouraï. Et pas vraiment un garde-tempête. C'est quoi ce machin? Vous avez vu le monde qu'il y a à l'intérieur? Ouais, c'est un truc de fou. Waouh, waouh, waouh. Alors là, on a intérêt d'être discret parce que là, c'est même pas question d'essayer de faire le combat. C'est question de survivre. Non, aïe, aïe. Cours, cours. Cours, cours, cours. Non, non, on s'est fait repérer. Et merde. Des flèches de feu. Cours, Lara. Cours, 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 cours. Oh non, 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 c'est encore une phase où c'est moi qui dois courir. Ah, aïe, ouch, aïe, ouh. Allez Lara, je peux sauter. Vas-y, dépêche, 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 dépêche. Oh my god. Oh my god. Oh, je suis en train de flipper. On est où là? Waouh. Un point de compétence. Trouver un feu de camp. Oui, bah merci, mais... Non merci. Donc je vois qu'on en est déjà à 32 minutes de vidéo et ça me semble l'endroit le plus idéal pour nous quitter et pour se retrouver très bientôt. J'aimerais vous demander, est-ce que le jeu, enfin, et vraiment je compte sur vous pour être sincère, est-ce que là, ce que je vais faire, ça fera encore un épisode ou est-ce que j'en ai pour plus d'épisodes? Pas que je fasse un épisode d'une heure, deux heures, parce qu'avec Tomb Raider, je pourrais pas. Encore Paper Mario, ça a pu passer, mais alors Tomb Raider, si j'ai envie d'avoir plus de 30 heures de plow, de jamais j'y arriverai et ça ne se terminera jamais. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, vos commentaires à partager. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure sur Tomb Raider, les amis. Donc sur ce, ciao à toutes et à tous.